Alors on offre au café du poste, il m'offre du monnaie, puis un deuxième. Il est parti, j'étais furieuse. Surtout qu'il était pas mal de sa personne. Vous m'intimidez un peu, mais je vais réciter un petit poème. Se mourant en sommeil, il se vivait en rêve. Son rêve était le flot qui montait sur la grève. Le flot qui descendait. Tes yeux dans ses yeux. Tes lèvres sur cette lèvre. C'est à toi que je fis mes adieux à la vie. À toi qui me pleura jusqu'à me faire envie de me pleurer moi-même. C'est tout.
Vous habitez chez vos parents? Pourquoi vous me regardiez en disant votre poème? Parce que c'était la seule façon de vous parler. Vous faites quoi dans la vie? Dans la vie? Ah, la vie. La vie. Oups! Et vous? Ouf, c'est de la danse. Moderne? Non, classique. Ah. Et le dimanche, qu'est-ce que vous faites le dimanche? Ça dépend. Moi, je fais du vélo. J'adore faire du vélo. Vous voulez venir avec moi demain, c'est dimanche? Ouais. Rendez-vous à la vieille gare à 11h, d'accord? D'accord. J'y serai. J'en ai marre de cette ville. Entrons. Ici, c'est un cimetière. Bah, tu sais, on trouvera pas plus calme. Ah.
Je n'aimerais pas y être toute seule. C'est la tristesse qui t'effraie? Je n'ai pas vraiment de la peur. Dans un cimetière normal, tu comprends? On voit les routes et les maisons ensemble. Et ici, on ne voit que des tombes, rien d'autre. Moi non plus, je n'étais jamais entré. Je trouve que c'est plutôt rassurant, un cimetière comme ça. Rassurant? Oui. Justement parce que c'est un peu comme à la campagne. Avec des arbres, de grands espaces vides. Il y a encore de la place. Tu s'en vas? Pourquoi? On n'est pas bien ici? Pas de voiture, pas de papier gras, personne pour déranger. Tu veux vraiment rester ici? Pourquoi pas? Écoute, repose-toi, je vais chercher le panier, d'accord? Attends, je viens avec toi. Tu ne m'attraperas pas! Retourner là-dedans? Vous qui rentrez ici, laissez toute espérance. On ne plaisante pas avec ça. Enfin, qu'est-ce que t'as, peur ou quoi? Non, mais c'est seulement... c'est désert. Mais non, t'y regardes. Voyons. Je vais la planter. N'aie pas peur, ils sont enterrés beaucoup plus bas. Les croix sont enterrées en souvenir de Jésus. Tu parles. Du chocolat? Donner un petit bout de chocolat. Tu fous pas ici, non? Dépenser de l'argent pour ça, c'était bon pour les pharaons. N'empêche que les pharaons, ils savaient comment embaumer les corps. Ça les faisait pas ressusciter? Pourquoi ressusciter? Serait-il plus difficile que naître? Tu sais, moi, je me moque de l'endroit où l'on me mettra quand je serai mort. Tu penses que l'âme s'échappe du corps après la mort? Tu crois qu'il n'y a pas d'âme? Tu sais, je pense pas qu'il reste quelque chose après la mort physique. Et puis je trouve idiot de foutre tout ce fric en l'air pour des Maccabées. Il y en a qui font ça par amour. Moi, je préfère l'amour de la vie à l'amour de la mort. Celui-là est ouvert. Entrons pour voir comment c'est.
Non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi t'as peur? Il fait jour, on craint rien. Tu viens? Non, non, il ne faut pas. Tu vois, je te l'avais dit, il y a plein de gens. T'as eu peur? Écoute, on va descendre, au moins on sera tranquille. D'accord? Tu veux pas? Non. Tant pis, je te laisse. J'irai seul.
s'est refermée toute seule? Mais non. Le soleil a tourné, c'est tout. On dit que les étoiles sont des dieux qui nous envoient des signes. Viens. Rentrons, le phare de mon vélo marche pas. C'est drôle, je vois plus le chemin. Je vais monter là-dessus pour voir. Je reconnais plus rien. Allons-y, on trouvera bien un chemin. Tu vois, j'avais raison. Ce chemin va sûrement nous ramener à l'allée centrale. Ils ont fermé la grille. Quelle heure as-tu? Ma montre. J'ai dû la laisser à la crypte. Je vais la chercher. Non, non, n'y va pas. Me laisse pas. Je veux pas y retourner là-dedans. Comme tu veux. Pas la peine de continuer, ça peut durer longtemps. On va couper directement à travers les tombes. Tout à l'heure. Je vais pouvoir récupérer ma montre. Non, non, arrête, je veux m'en aller. T'affole pas, on s'en sortira. Crions ensemble, quelqu'un viendra. Qui? Viens, par ici.
On dirait un bâtiment administratif. Il y a sûrement quelqu'un, on va se faire engueuler. Tu crois que c'est encore loin? Je crois que je reconnais le chemin. Oui, je vais à peu près où on est. Ferme les yeux, je te dirai. Maintenant, dis, je peux ouvrir les yeux maintenant? Attends encore un peu. On longe la grille à présent. N'ouvre pas les yeux. Tu me fais toucher les barreaux de la grille? Tu m'as menti. Tu m'as menti!
J'en ai marre, ta gueule! Je vais te planter là, t'entends? Arrête! Écoute, on va marcher un petit peu. Au moins, ça nous réchauffera. Puis, on est dans un cimetière de province, on n'est pas dans la jungle. T'as froid? Oui. Non. Froid? Écoute, je sais pas, je sais plus. Putain de cimetière. Je t'en prie, sois pas fâché. Tu penses que les morts... Elles te font peur, ces vieilles choses. Regarde ce que j'en fais. Promenons-nous. On trouvera bien la sortie. L'aloès vit 50 ans et meurt après avoir fleuri une seule fois. Qu'est-ce que tu racontes? Une seule. Ça va pas, tu veux qu'on s'arrête? Oui. Ben viens. Le 1er novembre, le monde des morts se mêle au monde des vivants. Qu'est-ce qui te prend? Lève-toi, bon Dieu. Je suis bien ici. Laisse-moi. T'es folle! C'est pas le moment de s'arrêter. On va rester ici toute la nuit. Non. Je t'en supplie.
qui connaissez le pays souterrain. Vous m'entendez? Vous, mes amis? Répondez-moi. Ils vous ont enfermés dans leur grille et leur croix. Vous n'êtes pas la mort. Eux sont la mort. Ils ont fermé la porte du château de cristal.
Ce n'est rien. Tais-toi ! Ne crains rien. Les morts sont nos amis. Ici, nous trouverons le chemin. Ici seulement. Nous allons marcher jusqu'au mur d'enceinte. Et nous trouverons la grille. Escalader par là. Tant pis pour la grille, on sera dehors dans deux minutes. T'es pas contente? Pourquoi veux-tu retourner chez eux? Eux, ils ne savent pas le véritable chemin. Ils pensent qu'à détruire, à faire mal. Salir. Ils ne s'aiment pas comme nous. Si nous nous aimons assez fort, ils ne pourront rien contre nous. Ils mourront tous. Ça suffit! Tu viens, oui ou non? N'y va pas. No! 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 No!
la rose de cristal. Elle nous conduira. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu ferais mieux de te calmer. Pourquoi penses-tu à la mort? Alors que nous sommes dans ce merveilleux jardin. Des arbres, du sable, des abris, des maisons, des sculptures de pierre dans notre jardin. Tu m'attraperas pas! Bravo. Tu as raison, quelqu'un verra les flammes. Du feu dans le cimetière, ça va attirer les gardiens. Tu t'occupes du feu. Je vais récupérer ma montre. Nous sommes sauvés.
Voilà le chemin. Par là, nous sortirons de la vraie vie. Tout le bonheur du monde. La... Mais où es-tu ? Mais viens, mon sang ! Cherche, mon amour. Cherche plus loin. Le pays souterrain. Ensemble, pour toujours. Plus jamais peur, plus jamais mal. Ils ne nous toucheront plus. Les méchants nous quittent. Ah, les portes des oiseaux d'or. Entre, marche. Non, pas la violence. Sois fort, mon amour, pour nous deux. Des jardins du vent, tous les parfums nous ouvrent les bras. Des amis généreux, des tourbillons d'hirondelles vers la lumière, des bras chauds autour de moi. Maintenant, le château de cristal, jour et nuit, dans la lumière de l'aurore, aussi grand que tout le ciel et toute la terre. Ils nous attendent, mon amour. Des oiseaux rient encore. La mort, vite, jusqu'au bleu. Attention, sur nous, les étincelles du soleil. Tu arrives, donne-moi la main. Descends, descends. Les fleurs dansent. Tes doigts brûlent, mon amour.
mort.